Madame, monsieur, bonsoir. Encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son de Tours, le rendez-vous de tous les mardis à partir de 22h, 21h45, 22h. Ce soir, nous avons le bonheur, le plaisir de renouer avec des anciens habitués de l'émission Son de Tours. Je m'en vais les citer. Mon cher Rémi Bobiba, bonsoir. Bonsoir. Économiste financier, j'en dirai pas plus, mais s'il veut se présenter, se présentera après. Monsieur Patrice Kadia, bonsoir. Économiste de formation, douanier de profession, c'est ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bonsoir. Gilles Ndongo, consultant, analyste. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Gilles Ndongo. Bonsoir. Je ne dirai pas l'autre fonction, bon, parce que là, vous pourrez le dire vous-même. Et enfin, notre ami Alphonse Ndongo, Terre Africa, Jeune Afrique Économie, donc quelqu'un qui s'occupe de l'économie. Bonsoir, mon cher Alphonse Ndongo. Bonsoir, Sonny. Après la chute du baril de pétrole, et si on parlait d'économie et des perspectives? La question peut paraître un peu provocante. Et si on parlait d'économie? Oui, les gens vont nous dire, oui, vous avez l'habitude, chaque fois qu'on y a tribune, de parler que de politique. Mais l'économie aussi détermine la politique. Et aussi, on fait des choix politiques à partir de l'économie. Alors, aujourd'hui, nous allons pas parler de l'économie en tant que science. Mais nous allons essayer de nous projeter dans l'avenir parce que personne n'aurait parié il y a quelques mois, il y a 6 mois, que le prix du baril du pétrole baisserait et tomberait si bas. Il irait même en dessous du seuil critique de $50 le baril. Mais un pays producteur de pétrole comme le nôtre, dont le budget est parfois fait à partir des prévisions du cours du baril du pétrole, mais se trouverait très très mal s'il n'est pas fait des bons calculs, s'il n'est pas anticipé. Mais enfin, faut-il encore qu'il lise dans la boule de cristal comme Madame Irma pour savoir que le baril du pétrole allait chuter. Le pétrole, un sujet tabou. Peut-on parler de l'or noir sans que l'on vous toise? Chasse gardée, diront certains. Opacité, sujet tabou. Alors, n'en parlons pas. De la preuve pétrole, peut-on au moins en parler? On vous répondra. Ce n'est pas de sitôt que notre pétrole arrêtera d'être exploité. Parce que du nord au sud, on en découvre et l'on n'a pas encore commencé à en exploiter. Et par conséquent, ne parlons pas de la peau pétrole. Parlons d'aujourd'hui et maintenant. Et pourtant, il suffit que le marché du pétrole tousse pour que l'on se rende compte de la fragilité et de la volatilité de cette ressource pourtant périssable à mettre les économies qui en dépendent en grande partie source dessus. La preuve. D'où la nécessité aujourd'hui, dans cette émission, de parler non pas de pétrole, non pas de la chute vertigineuse observée du baril du pétrole depuis l'amorce de la fin de l'année 2014. Mais des perspectives de l'après peut-être pétrole, des conséquences que cette chute pourrait provoquer ou a dû provoquer au niveau du respect des équilibres macroéconomiques, lorsqu'on sait que certains budgets, notamment les nôtres, ont été élaborés en tenant compte des hypothèses hausses, si je puis l'avancer, du prix du baril du pétrole. Mais aujourd'hui, le baril du pétrole twiste avec les $50 ou sinon les $49. D'autres n'ayant pas pris soin d'anticiper sur ces variations, se rendent compte des ajustements et autres sacrifices qu'il devra opérer. Alors, la peau pétrole, peut-on en parler ?
on parlait, nous offre l'opportunité de parler d'économie, d'alternative au pétrole, de la diversification de notre économie et des piliers structurants qui permettraient de soutenir notre économie. Parler de la chute du baril du pétrole, c'est anticiper sur l'avenir, si tant est que celui-ci serait emporté par des choix hasardeux des gouvernants, si ce n'est par des ajustements qui appelleraient à d'énormes sacrifices, aussi bien au niveau de la demande interne que celui des investissements productifs, dont on verra au cours de cette émission que certains choix ont été opérés en mettant d'autres de côté, parce qu'il y a des priorités, et ces priorités-là, du point de vue social, on doit les respecter. Les invités qui sont là ce soir, nous allons peut-être essayer de leur poser la question de savoir si économie il y avait à faire, quelles seraient les premières économies à offrir. A-t-on pris toutes les dispositions pour éviter que le Congo et les Congolais connaissent cette crise que nous avons connue auparavant, mais qui s'est passée aux États-Unis, la crise des subprimes, parce que d'autres n'ont pas anticipé. Et aujourd'hui, nous voilà devant cette réalité. Chers amis, avez-vous constaté un changement dans votre quotidien depuis que le prix du baril de pétrole est en train de tuinguer aux alentours de 50 dollars. Mon cher Rémi Bobiba. Je commencerai par vous et puis j'irai de la gauche vers la droite. Ou de la droite vers la gauche en fonction de vos acquaintances idéologiques. Merci Sonny Bengal de me faire l'honneur d'ouvrir cette discussion. Et je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir choisi ce thème d'actualité qui touche de plein fouet l'économie de notre pays, mais également donc tous les Congolais, parce que, comme vous l'avez si bien indiqué, le pétrole constitue la principale ressource de notre pays. Et je suis d'avis, M. Sonny, qu'il serait peut-être un peu... il serait utile de resituer un petit peu l'évolution de ce produit pour que les Congolais soient édifiés sur... les causes réelles qui expliquent aujourd'hui l'effondrement du cours du baril de pétrole et quelles peuvent en être les conséquences aujourd'hui sur le budget du Congo et bien sûr en arriver à ce que vous avez évoqué, quelles sont les perspectives au niveau du gouvernement, quelles sont les actions correctrices qui permettraient justement d'amortir le choc de cet effondrement du cours du prix du baril de pétrole. Alors déjà, sur l'histoire du cours du baril de pétrole, il faut rappeler que il y a une dizaine d'années que l'augmentation du cours du baril du pétrole a connu une ascendance importante pour plusieurs raisons. La première raison est essentiellement due à l'arrivée sur le marché des pays émergents, notamment la Chine, qui est apparue comme un gros consommateur de pétrole, donc qui a accru de manière exponentielle la demande du produit sur les marchés internationaux, accompagné de d'autres pays du BRICS, notamment l'Inde, le Brésil et bien sûr les certains pays africains, notamment l'Afrique du Sud. Donc nous avons eu pendant les années 2005 jusqu'aux années 2011, donc jusqu'à l'avènement de la crise des subprimes avec l'effondrement de la banque Lehman Brothers, une hausse régulière du cours du pétrole parce que justement il avait une demande conséquente sur le marché face à une offre qui était plus ou moins stagnante du fait notamment des problèmes en Irak, de la limitation de la vente des produits iraniens notamment. Donc il y a eu pendant presque une dizaine d'années une hausse constante du cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux jusqu'en 2011 avec la crise des subprimes, où là, effectivement, le baril de pétrole a connu sa première stagnation, donc en deçà du 16 symbolique des 50 dollars. Et après, de 2011 jusqu'à 2014, donc jusqu'à juillet 2014, il y a eu à nouveau une courbe ascendante, donc une tendance haussière, jusqu'à ce fameux juillet 2014, où on a connu justement l'effondrement qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelles en sont les causes? Il faut rappeler peut-être à l'attention de nos téléspectateurs que
le marché du pétrole est un marché qui fonctionne selon la loi de marché, donc la loi de l'offre et de la demande. C'est simplement la variation, le rapport entre d'un côté la quantité de produits sur le marché, donc l'offre, et en face la quantité de produits demandés, donc des produits consommés par les différents états du monde qui, pour des raisons ou d'autres, ont à des moments précis un besoin fluctuant de produits pétroliers. Aujourd'hui, que se passe-t-il? La crise d'aujourd'hui est liée à la fois au volet de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte augmentation de produits, de quantité de produits sur les marchés. Pourquoi? Il y a d'abord eu les Américains, qui sont parmi les premiers producteurs mondiaux, qui ont levé les mannes pour pouvoir livrer sur le marché des quantités plus importantes de produits pétroliers. On a sur les marchés internationaux la Russie, qui a également augmenté donc la quantité de produits sur le marché. L'Irak, qui sort donc de sa période post-conflit et qui également est intervenu sur le marché, donc a augmenté son offre de produits sur le marché, donc, et également des pays de l'OPEP qui depuis 3 ans conservent le même niveau de production. Donc vous avez donc sur la balance d'un côté l'offre de produits pétroliers qui est en constante augmentation, alors qu'en face la demande connaît une baisse relative, une baisse due à quoi? Due d'abord au ralentissement de la croissance des pays du BRICS, notamment de la Chine, qui a commencé à rentrer dans une phase de développement qui consomme moins de produits pétroliers, et donc sa demande de produits sur le marché a baissé. L'autre raison également qui explique la baisse de la demande, c'est l'arrivée sur le marché du pétrole de schiste, mené notamment par les Américains, qui depuis toujours ont opéré des recherches pour arriver à terme à substituer leur consommation de pétrole par le pétrole de schiste. Donc aujourd'hui, ils en sont arrivés à une phase de production, à des coûts de revient plus compétitifs que le pétrole, d'où donc une réduction également de leur consommation sur le marché. Donc aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre l'offre qui est surabondante sur le marché et la demande qui, pour les considérations que j'ai indiquées, c'est-à-dire l'arrivée du pétrole de schiste, la baisse de la consommation des pays du BRICS, notamment la Chine, la crise économique des pays d'Europe et du Japon, et donc la consommation également a connu une baisse, donc résultat des courses, ben, la demande étant moins importante que l'offre, et bien évidemment donc le cours du baril du pétrole connaît une chute qui a commencé donc depuis le mois de juillet, qui pour aujourd'hui atteindre le seuil symbolique en deçà des $50. Honorable Kadja, est-ce que une évolution comme celle-là, on peut l'anticiper dans le temps? Est-ce que c'était des indications prévisibles que cette ressource puisse, dans le temps, connaître ces soubresauts que nous sommes en train de... Que l'a si bien indiqué M. Rémi Bonneva? Bien, merci. Je pense que mon ami Bobiba a fait l'histoire de l'évolution du pétrole. Je partage exactement avec lui les raisons et les causes, mais en fait, on n'est pas là sur les justificatifs d'une hausse ou d'une baisse. Non, nous sommes pas là. On nous demande que doit-on faire. Je vous dis une chose, Dieu le Créateur a créé une multitude. La terre, le ciel, le sol, la végétation et les animaux et tout. Il ne s'est pas appuyé sur une seule chose. Dieu ne s'est pas appuyé sur une seule chose. Alors, un homme qui conduit les hommes, un groupe qui conduit les autres, une organisation ne peut pas s'appuyer sur une seule chose. Parce que si aujourd'hui on est surpris par la baisse, mais il peut arriver qu'on arrive... Qu'on disqualifie le pétrole, qu'on n'en utilise plus comme le charbon. Une bonne gouvernance doit tout prévoir. Il est possible qu'on dise, comme le charbon, le pétrole n'est plus une énergie, on a une autre. C'est pourquoi j'ai beaucoup admiré mon ami Bobiba, à dire ce qu'il a entendu ce qu'il a dit, mais je dis qu'en termes de gouvernance, en termes de politiques économiques, on doit s'attendre à tout. Et à la variation des prix, et même de la qualité, pourquoi pas de l'utilité. Donc, je voudrais ajouter un deuxième fait. Sommes-nous le Venezuela, le Congo? Sommes-nous la Russie, le Congo? Je dis non.
nous ne sommes pas un pays pétrolier, nous sommes un pays rentier du pétrole. Parce que le pétrolier, c'est celui qui réunit les stratégies, les technologies, les équipements, les capitaux et maîtrise les quantités. Nous sommes une terre sur laquelle se trouve le pétrole et un opérateur étranger, fut-il chinois, français, vient travailler. Italien. Nous ne sommes pas des pétroliers. Notre terre, nos eaux marines, abritent un produit, une matière première pour laquelle nous n'avons aucune maîtrise. Si bien que lorsque le prix varie à la hausse ou à la baisse, nous regardons, nous n'avons pas, on n'a aucun mécanisme à manipuler, soit pour arrêter, soit pour laisser progresser. Aucun mécanisme en tant que rentier. Alors, quand j'ai dit ça, je crois que on peut rester restituer le débat pour dire que faut-il faire. Bon, j'étais député 10 années durant à l'Assemblée nationale. Je participais activement au vote du budget de l'État. Et j'entendais parler des excédents budgétaires qui devraient être gardés dans un compte à la Banque centrale. Bon, nous, en tant que rentiers, ce que nous pouvons faire comme action pour maintenir le niveau de vie du Congolais, le niveau de satisfaction de ses besoins, c'est certainement maintenant faire recours à cet excédent. Mais sinon que, techniquement, nous n'avons aucun mécanisme. Monsieur Souni, sauf à me démontrer ici, que nous, en tant que propriétaires des eaux, simplement ça, en fait, nous sommes des rentiers. Alors, donc, ceci dit, je crois que c'est une bonne chose que d'introduire un tel débat. Je souhaite que les amis et moi le traitons en tant que citoyens, produits de ce pays, avec un sentiment national affiché. Je m'abstiens, moi qui suis homme politique, de parler de la politique aujourd'hui, pour dire, parlons de l'économie, mais alors, de l'économie qui a besoin des investissements de valeur, de moralité et d'intelligence. Très bien. Alors, et si on parlait économie, hein? On a dit ça parce que par moment, les hommes politiques qui aiment bien la langue du bois nous mènent parfois en bateau. On va parler économie, comme vous l'avez dit. Vous avez indiqué que le Congo est un pays rentier, hein, qui vit sur les ressources du pétrole. Dépendant de cette ressource, est-ce que il y a une incidence dans le quotidien des Congolais? Est-ce qu'on l'avait observé au cours de ces derniers mois? Parce que déjà au mois de décembre, tout le monde a vu que c'était chaud. Est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'on a pris des dispositions pour que ce séisme-là n'affecte pas tous les équilibres macroéconomiques envisagés par le gouvernement? Oui, je vais d'abord je vais rebondir. Merci. Je vais rebondir rapidement sur ce que venait de dire Monsieur Bobiba. Bobiba, oui. Lorsqu'il évoquait les raisons sur la chute du prix du baril, j'aimerais compléter pour dire que l'une des raisons également, vous savez, la crise en Ukraine, notamment l'annexion de la Crimée par la Russie, et un certain nombre de mesures ont été prises par les Occidentaux pour contraindre la Russie à lâcher un peu du lest. Et il y a eu le gel, l'interdiction de voyager pour certains, le gel des avoirs, mais toutes ces mesures n'ont pas été, se sont avérées infructueuses pour contraindre la Russie à lâcher du lest en Ukraine. Et donc, le budget de la Russie est constitué à près de 52% des ressources pétrolières. Et donc, lorsque l'on regarde le coût d'extraction et d'exploitation du pétrole américain qui est venu sur le marché international, augmentant ainsi l'offre, le coût d'extraction, c'est de $85 le baril.
Or, aujourd'hui, dans un contexte actuel, avec un prix de baril à 50 dollars, ça veut dire que les Occidentaux, notamment les États-Unis, selon certains analystes, qui pensent que les États-Unis et l'Arabie Saoudite se servent également de ce moyen pour exercer la pression sur le président Vladimir Poutine. Parce que une Russie qui a besoin des ressources financières importantes pour mener sa campagne en Ukraine, si elle est en manque de liquidité, je suis sûr qu'elle connaîtra des problèmes. Ça, c'est, je passe. Lorsqu'on regarde sur le Congo n'est pas le seul pays pétrolier. Vous avez les pays, l'Algérie, nous avons le Venezuela, qui connaissent également, ce genre de problème. Déjà, vous avez un pays comme l'Algérie qui a tablé son budget, qui avait tablé son budget exercice 2015 à 100 dollars le baril. Ils ont dû réviser. Le Venezuela également a dû réviser. Et un certain nombre de mesures, le président Nicolas Maduro a dû prendre un certain nombre de mesures pour essayer un peu... Venezuela, oui, pour essayer un peu... Quand vous dites Nicolas Maduro, on peut penser le président Venezuela, pour essayer un peu de réduire l'impact de la baisse du prix du pétrole sur l'économie vénézuélienne. Mais lorsqu'on regarde au niveau du Congo, la question c'est de savoir quelles sont les mesures que le gouvernement a pris pour... Et c'est un peu de supporter ce poids. Moi, je me rappelle au cours des années 97-98, lorsque le président Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir, suite à la guerre de 5 juin, nous avons connu une période difficile, 97, 98, 99, où le prix du baril de pétrole, nous avons frôlé les 11 dollars le baril, je me souviens. Et c'était des moments de fortes pressions économiques, de fortes tensions, parce que les finances publiques étaient asséchées. Et lorsque l'on regarde les erreurs que nos politiques font souvent, c'est parce qu'on ne joue pas sur l'anticipation. Monsieur Sony, vous vous souviendrez que lors d'une émission ici, je disais, lorsque je dénonçais la fonctionnalisation des emplois au Congo, je disais que le président de la République, à chaque discours, il parle du recrutement des agents au niveau de la fonction publique. Et je m'inquiétais, je me disais, mais si dans 6 mois, dans 7 mois, le prix du baril du pétrole chutait, que ferons-nous? Parce qu'aujourd'hui, la diversification de l'économie, l'expérience a prouvé que la diversification de l'économie que le gouvernement projette n'est pas au rendez-vous, parce que le gouvernement a dû revoir ses calculs à la baisse. Maintenant, le vrai problème, il faudrait que l'on tire les conséquences de ces différentes chutes, parce que ce n'est pas la première. On en a connu autour des années 80, on en a connu autour de la décennie 97, 90, 99, pour que enfin, que lorsque l'on table, l'on décide de concevoir nos budgets, que l'on parte sur des hypothèses prix ne dépendant pas du marché international. Or, le problème, lorsque l'on fixe, lorsque l'on établit nos budgets, en règle générale, on fixe nos budgets sur... Le prix international, alors que l'on sait pertinemment que les Congolais, nous n'avons pas la maîtrise du prix du baril du pétrole ni encore des fluctuations du taux d'échange entre le dollar et l'euro. Autre chose également pour chuter, nous avons un pays comme l'Arabie Saoudite, grand producteur mondial de pétrole. L'Arabie Saoudite a dit lors du sommet de l'OPEP le 27 novembre 2014, ils ont dit que eux sont prêts à supporter un prix du baril à 20 dollars. Ça veut donc dire que si baisser encore davantage. Donc ça veut donc dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui, je crois qu'au cours de cette émission, que nous regardons quelles sont les mesures que le gouvernement de la République peut prendre pour que les populations ne se ressentent pas le coup. Parce que les populations, à la fin, pour chuter, ils ne comprendront pas que lorsque les prix du baril du pétrole étaient à l'os, on parlait, le président Kadia parlait d'excédent budgétaire, ils ne comprendront pas que pendant que les prix du baril du pétrole sont à la baisse, que les pouvoirs publics puissent leur demander des sacrifices. Pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Mon cher Ndongo, c'est vous qui avez la dernière pour ce premier tour de table. Alors, on pensait que c'est une baisse finalement géopolitique, mais pas dit géostratégique, alors que on aurait bien aimé que ce soit plutôt une baisse qui serait la conséquence des déséquilibres liés au fait que l'offre était peut-être supérieure à la demande et que, bon, on n'arrivait pas à faire d'ajustement. Mais là, on se rend compte que c'est beaucoup plus.
une offre, d'après ce que je viens d'écouter de la part de Gilles Ndongo, une baisse géostratégique qui serait finalement commanditée par les grandes puissances. Est-ce que c'est cette assertion que vous partagez, mon cher... Bon, c'est oui et non. Oui, parce que les États-Unis, on le sait, vont désormais exploiter le gaz de schiste. Et que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, ils vont désormais aussi mettre sur le marché leur quantité et leur production de pétrole. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que la Chine, qui en est souvent le principal demandeur, se trouve lui-même dans une situation de décroissance en économie, parce qu'on tablait autour pratiquement de plus de 8% à la croissance chinoise, mais on se rend compte qu'il y a quand même un ralentissement. Et donc, évidemment, quand vous discutez avec certains chefs d'entreprise chinoises, moi j'y étais récemment, vous sentez que c'est pas vraiment, l'heure n'est pas la fête. Et donc, à ces niveaux, c'est évident que les pays, n'est-ce pas, émergents, qui évidemment consomment l'essentiel de la production, n'est-ce pas, mondiale d'hydrocarbures, et évidemment, ça fait qu'on se retrouve dans cette situation. Mais comme vous le savez très bien, Sonny, c'est qu'on est dans une situation pratiquement mondiale. Ce n'est pas le Congo qui subit à lui tout seul les effets, n'est-ce pas, inflationnistes du pétrole sur le marché mondial. C'est une question qui concerne tous les pays producteurs de pétrole. Mais et je voudrais qu'on vienne sur le cas du Congo, comme le disait Gilles tantôt, c'est que peut-être qu'on n'est pas assez prévoyant. J'ai su rester une fois sur ma soif en entendant le ministre des Finances dire que nous avons beaucoup d'argent. Je me posais bien la question si autour de lui il n'y avait pas des projections sur l'économie mondiale avec le retour de l'Iran, de l'Irak qui va revenir sur le marché, avec évidemment des nouveaux pays pétroliers qui arrivent, des pays comme le Niger, qui hier n'était pas producteur de pétrole, arrive sur le marché. On parle de la Côte d'Ivoire, évidemment, qui va arriver sur le marché. Donc, j'ai fort l'impression qu'on n'a pas regardé ces choses de manière tout à fait convenable et qu'on est encore comme surpris que, bon, il y ait des effets, n'est-ce pas, de la dégringolade de la production, de la demande au niveau international. Donc, c'est autant de choses qui, moi, m'intéressent. Et l'État, peut-être, l'avantage de l'État congolais, pour répondre à ta question, c'est que on est encore dans une situation où les populations ne ressentent pas encore les contre-coups, n'est-ce pas, de cette difficulté, de cette baisse, n'est-ce pas, de la demande mondiale en hydrocarbures. Puisque les salaires sont pour l'instant payés à date échue, on le sait très bien, mais sur une période à court ou moyen terme, si la dégringolade continue, on se situe encore dans les encablures peut-être de 20 dollars, de 18 dollars, je pense que ça pourrait poser problème. Et en ce moment, il va falloir que l'État sorte son matelas financier à travers le fameux compte d'épargne qui est logé au niveau de la banque centrale. Et la seule difficulté à ce niveau, en tant que journaliste, je n'ai jamais su exactement combien ce compte a comme moyen financier. La directrice de la Banque mondiale me faisait croire que ça faisait 2 millions de dollars. Bon, ça, c'est une source qui vient de la Banque centrale, mais on voudrait que les gouvernants puissent davantage être transparents, nous dire qu'il y a X sommes qui seraient logées, n'est-ce pas, comme épargne budgétaire auprès de la Banque centrale. Évidemment. Et seraient vraiment logées à la Banque centrale. Bon, je pense que ça doit être vrai, mais sauf que ça doit être étudié à bon escient. Lorsque nous engageons des crédits pour aider certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger ou la République centrafricaine, bon, ça doit être un peu, à mon humble avis, plus transparent pour que demain le gouvernement ne soit pas dans les difficultés, pour expliquer aux populations pourquoi on n'a pas pu réaliser un kilomètre de route, pourquoi on n'a pas construit un hôpital, pourquoi on n'a pas payé les salaires à date échue. Vous voyez, ça sera un peu une communication assez difficile pour les gouvernants. C'est pourquoi la transparence doit être de mise pour qu'on sache aujourd'hui quels sont les moyens qui sont logés dans ce compte d'épargne budgétaire à la Banque centrale. La transparence doit être de mise. Mais mon cher Bouyba, juste après, on va rentrer, quand vous voulez, là, dans le vif du sujet. Quand
le baril, le prix baisse, ça veut dire que l'offre est abondante. Ouais. Très bien. Sous d'autres cieux, lorsque le prix du pétrole baisse, et on ressent quand même quelques indices sur le prix à la pompe. Vous êtes automobiliste, si je ne me trompe pas. Non. Est-ce que, pour ce qui vient de se passer, vous y avez remarqué une incidence directe, hein? Ça, c'est le quotidien. Ou comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait une baisse depuis au moins 2 mois et que par ailleurs, à intervalles assez réguliers, que l'on voit autant d'embouteillages dans les stations d'essence qui sont d'ailleurs très souvent pris d'assaut et que l'on voit aussi des stations un peu clandestines dans les maisons familiales. Oui, il est fort logique que la baisse des cours du pétrole sur les marchés internationaux devrait conduire de manière mécanique à une baisse du coût à la consommation, donc du coût à la pompe. Parce qu'en réalité, on devrait répercuter le coût du brut sur le prix à la pompe. Mmh. Et la réalité sur les marchés internationaux, même dans les pays développés, c'est que le prix du brut en lui-même ne constitue en réalité qu'un tiers du coût du prix à la pompe. Le reste est composé de taxes. C'est bien. Donc c'est vrai que dans des pays comme la France, d'autres pays européens occidentaux, la baisse du coût du baril de pétrole a eu des répercussions dans des proportions de 5 à 8% sur le prix à la consommation pour les automobilistes. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus ressentir les 50% d'effet directement sur la pompe parce que la composition, la structure du prix comporte également des taxes. Dans le cas particulier du Congo, et c'est une réalité également, tout à l'heure je l'ai indiqué, le prix du baril de pétrole a connu des hausses et des baisses qui ne se sont pas automatiquement répercutées sur le prix à la consommation. Pourquoi ? Parce que nous avons une structure de prix qui est plus ou moins homologuée par l'État et il faut reconnaître également que la structure de prix actuelle à la pompe est en partie subventionnée. Puisque suite à une revendication des transporteurs urbains il y a quelques années, le gouvernement avait décidé de retirer toutes les taxes sur le prix de la consommation. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, peut-être que les Congolais ne ressentent pas encore les avantages, parce que d'une part, il y a la baisse qui a des conséquences en termes de revenus budgétaires de notre pays, mais en tant que pays consommateur de pétrole, en réalité, il devrait avoir une répercussion mécanique. Mais j'aimerais quand même, avant de poursuivre, relever quand même que ce premier tour de table a permis de poser quelques postulats. Le premier, c'est de dire qu'effectivement, la chute du cours du baril de pétrole est un phénomène mondial. Ça ne concerne pas que le Congo. Le Congo n'est pas le seul pays exportateur de pétrole. Les causes, nous avons indiqué, c'est lié donc à une surabondance de l'offre. Il y a également des raisons géopolitiques. Tout à l'heure, un collègue ici a abordé la question de la position de principe de pétro-monarchie du Moyen-Orient, notamment de l'Arabie Saoudite, qui est un acteur clé et qui aujourd'hui mène la barque au niveau de l'OPEP pour maintenir coûte que coûte le niveau de production actuel et quitte à accompagner les fondements du cours du baril de pétrole, parce que justement, des pays comme l'Arabie Saoudite ont des réserves de choses importantes pour pouvoir faire face à cela, ce qui n'est pas le cas des petits producteurs, notamment du bassin du Golfe du Guinée, comme le Congo, le Gabon, mais même la Guinée équatoriale. Donc, c'est un phénomène mondial qui trouve ses causes sur la loi du marché, sur des raisons géopolitiques. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait la situation de la Russie. J'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir. Ça, c'est quelque chose qui a été admis ici. Alors, pour le cas particulier du Congo, vous avez posé une question intéressante. Est-ce que nous aurions pu anticiper ces phénomènes ? Est-ce que nous aurions pu, en faisant preuve d'un petit peu d'intelligence économique, de projection ou d'analyse sur le moyen et long terme, est-ce que le gouvernement congolais aurait pu identifier ou des raisons d'une variation à la baisse du cours du baril de pétrole à l'horizon 2014-2015? Oui, parce que effectivement, les causes principales de la hausse, nous avons indiqué tout à l'heure, notamment l'importante demande de la Chine, la rupture de provisions au niveau des pays de l'Irak et de l'Iran, l'augmentation de la production russe, tout cela aurait pu, dans le cadre d'une réflexion prospective, au moins être détecté pour ne serait-ce qu'avoir des signaux qui pourraient être un annonceur d'une reprise à la baisse
des cours du baril du pétrole. Bon, c'est vrai que nous apparaissons une fois de plus comme surpris, comme victimes, mes collègues ici l'ont indiqué. Nous avons été surpris, comme beaucoup de pays du Golfe de Guinée, de cet effondrement du cours du baril. Maintenant, quelles en sont les conséquences? Et quelles sont les perspectives? Est-ce que le gouvernement congolais a pris les mesures qui s'imposent pour pouvoir faire face à cette réalité, notamment de la chute de ses ressources budgétaires d'au moins 50%, puisque il est un secret de personne que nos ressources budgétaires sont en hauteur de 80% liées aux ressources pétrolières. Ouais. Nos ressources fiscales sont en budget, hauteur de 75% liées aux ressources budgétaires, aux ressources pétrolières. L'honorable Kadia peut nous le dire, parce que je l'ai vu avec la note de conjoncture économique. Nous avons une économie de rente, et cette dépendance vis-à-vis du pétrole est une préoccupation majeure pour l'ensemble des Congolais, et il y a des mesures qui s'imposent. La mesure qui est déjà en cours d'exécution ou qui est souvent édictée par le gouvernement, on parle de la diversification de notre économie. C'est-à-dire qu'il faut arriver aujourd'hui à développer, à augmenter la contribution des secteurs hors pétrole dans le PIB national. La difficulté aujourd'hui, c'est que malheureusement, on a le sentiment que cette diversification de l'économie reste encore au stade de slogan, d'un vœu pieux du gouvernement qui ne se manifeste pas encore par des mesures concrètes. Puisqu'aujourd'hui, au niveau du PIB congolais, ben, l'essentiel de nos ressources sont toujours liées aux ressources pétrolières. La contribution d'autres secteurs d'activité comme les mines. C'est vrai que le secteur de l'industrie extractive de plus en plus commence à prendre une part importante, notamment le secteur des mines. Le secteur des services également commence à prendre une contribution importante, notamment avec la téléphonie mobile, avec également le secteur des bâtiments. Mais ce n'est pas suffisant. En réalité, les ratios, les équilibres voudraient que nous arrivions à avoir une contribution plus importante dans le secteur hors pétrole. On y viendra de cette diversification économique, parce que c'est ça qui sera l'alternative, puisque même la Banque mondiale, lors de la dernière revue du portefeuille de la Banque mondiale, a indiqué que c'était vraiment. Il fallait mettre l'accent sur cette diversification. Mais, honorable Kadia, finalement, à qui profiterait, je dis bien, à qui profiterait cette chute du baril du pétrole, à qui profiterait-elle? Est-ce que, finalement, elle profiterait aux monarchies du Golfe, ou certainement qu'elle permettrait à nos économies de se rendre compte de la réalité de la gestion? Non, mais vous savez que c'est un... J'ai indiqué dans ma première intervention que le secteur de l'économie, comme celui social de la culture, est un véritable consommateur de l'intelligence et des valeurs morales. J'ai dit que en économie, on est toujours en guerre. Les économies sont toujours en guerre, les nations sont toujours en guerre économique. Les plus fortes tirent le profit sur les plus faibles. Alors, ne nous armons pas de la faiblesse, du manque d'intelligence, des contre-valeurs pour venir à l'économie mondiale. Vous savez, lorsque l'Arabie dit que même à 20 dollars, je tiendrai, elle sait sur quoi elle compte. Elle sait sur quoi elle compte. Elle doit compter sur des nouvelles productions, des nouveaux produits, des nouvelles marchandises, dont elle a la maîtrise, et pour lesquels le revenu pétrolier ne sert que pour le financement. C'est ça la politique économique. On ne peut pas dormir sur ses lauriers en se disant nous avons le pétrole, tant pis, on peut dormir. Non. Est-ce qu'on avait l'impression que les Congolais dorment sur ce matelas? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Heureusement, vous savez quelle est la chance du Congo aujourd'hui? La chance du Congo, c'est que les revenus pétroliers ne sont pas redistribués comme il se doit. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le médicament des dispensaires, ça ne rentre pas dans la craie de l'élève, ça ne rentre pas dans les livres de l'élève, ça ne rentre pas dans le besoin du Congolais, en réalité. Parce que si le Congolais vivrait... Ça ne se retrouve pas dans le plan de l'aménagement, non, c'est ça? Si le Congolais vivrait tous du revenu pétrole, c'est-à-dire que son médicament c'est à cause de ça, son transport c'est financé par le pétrole, l'école de son... Alors dès demain on devait sentir des chocs.
suis d'accord, mon ami Bobiva, quand il parle de la pompe, c'est bien. Pompe encore, on peut regarder la SNPC congolaise, la Cour avec congolaise, on peut s'arranger avec les taxes. Mais si le revenu congolais était redistribué de manière à ce que le médicament du paysan de Bétou soit payé par ce revenu, que l'école de Mouninor reçoive le matériel didactique et des enseignants payés par ces pétroles, il y aurait tout de suite le choc. Alors, c'est ainsi que le fait que cette redistribution n'est pas parfaite, n'existe même pas d'ailleurs, eh bien, que le pétrole hausse, qu'il baisse pour le Congolais, c'est rien ne change. C'est ça là. Vous avez l'impression que c'est un débat d'intellectuel. Non, je vous en prie, mon cher ami. Allez à Makabandilou, dites-leur que bon, le prix du pétrole a baissé. Ouais. Ils vont vous dire, mais attends, mais je vais boire ma bière au même prix, il n'y a pas. Pour eux, ça n'existe pas. Et c'est ça, le miracle... De la rente pétrolière. Non, de la gouvernance actuelle. On ne fait pas contribuer le Congolais à toucher ses revenus. Au point où s'il y a des variations, ils ne le font pas. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, mon cher ami, l'économie est un espace de guerre permanente. Et aujourd'hui, les pays desquels vous citez, que vous citez ici, certainement qu'en dehors des revenus pétroliers, ils ont assis leur économie sur autre chose. Et nous avons failli le faire. Je vous apprends que dans ce pays, il y a une taxe qu'on appelle la provision aux investissements diversifiés, la PID, qui a été votée depuis les années 96. Et c'est 1% du chiffre d'affaires de chaque entreprise pétrolière chaque jour, chaque mois. Un jour, l'argent est tombé au gouvernement. Le gouvernement ne savait pas que faire de cet argent-là. C'était trop. Mais il ne savait pas. Pourtant, à entendre la dénomination, l'appellation de la taxe, on dit bien provision aux investissements diversifiés. C'est-à-dire, à Moussaka, on a un existant économique qui est là-bas. Il y a du poisson, il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Cette provision devait financer une activité à Moussaka. L'huilerie de Toumbi. Le riz de Kindamba. La belle ligname devenue même industrielle de Gamboma. De Gamboma. Quand j'ai pris une proposition de loi à l'Assemblée, par deux fois elle est arrivée, elle a été refoulée, mais j'ai quand même bénéficié de la sincérité de l'ancien ministre, aujourd'hui sénateur, le ministre Moussoukoumouba, qui a reconnu que quand il était ministre du Commerce, on lui a donné 15 milliards, il est allé quelque part, il a demandé, on a dit, appelle tes amis, faites-vous, et certains hôtels que vous voyez ici, c'est financé par la PID. C'est un détournement de chapitre, parce que la PID, c'est déjà une taxe orientée, elle est affectée. Pour un financement. Voilà. Mais alors, imaginez que pas là où il fallait. Imaginez qu'en 97, en 98, en 99, en 2000, jusqu'en 2015. Cette taxe-là existe. Et existait et qu'on l'aurait utilisé comme il se doit en finançant les affaires de Ngoko, les affaires de Lombo, les affaires de... Aujourd'hui, nous aurons une assise l'émergence à la porte. Peut-être bien. Mon cher Gilles Ndongo, à qui profiterait cette chute? Parce que quand je lis un économiste français, je veux le lire, je tire de l'article du Monde, du 13. Je participe à l'émission, s'il vous plaît. Oui, vous participez, vous êtes à l'antenne, monsieur, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je vais participer au débat. Allez-y, monsieur. Sans en profondeur comme les économistes. J'ai un peu de réflexion là. J'ai suivi M. Ndongo, M. Kadia, qui a évoqué brièvement les exigences budgétaires à la Banque centrale. Moi, je pose la question suivante. Notre ministre des Finances, en tant qu'économiste assermenté de son rang, passe devant les représentants nationaux. Il parle de ses causes de stabilisation. Qui est réservé aux générations à venir.
de 2003 en 2013, le budget congolais a engendré des excédents budgétaires de 1 000 milliards environ, connaissant toute cette période. Voilà l'occasion pour le gouvernement congolais de favoriser les investissements prioritaires avec cet argent. Le ministre de l'Assemblée convoque une session extraordinaire pour le ministre effectif sur cet argent, c'est l'argent du Congo. Il est raison de distribuer cet argent. Mais à ma connaissance, si le gouvernement ne demande pas la population, dans ce compte-là, il n'y a pas un plan de ministre. Non, on n'ira pas vérifier si dans le compte là, il n'y a même pas 1 000 fois. Mais bon, mon cher Gilles, cet économiste-là, finalement, dit ceci sur la chute, qui pense qu'il vaut mieux que cette chute-là se maintienne, parce que ça aiderait. C'est daté du 13 février. Il dit, au niveau de la société économique française, les incertitudes sont nombreuses pour l'année 2015. Si amélioration il y a, elle ne peut venir que de l'effet sur la croissance de la baisse du prix de l'or noir et du taux de change euro-dollar. Vous voyez ? Donc, nous, on peut peut-être souhaiter que le prix remonte un peu pour que nous ne puissions pas trop ressentir, mais d'autres voudraient bien qui s'accrit parce que le prix baisse encore davantage parce que tirer profit. Monsieur Sony, je suis d'avis avec cette analyse. Il y a même Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, qui disait que la baisse du prix du baril du pétrole est une bonne chose pour l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que l'expérience a prouvé que la plupart, prenons le cas des pays producteurs et exploitateurs de pétrole comme le nôtre, dont le budget est constitué pour la grande majorité par le 80%. Pétrole, à 80% des recettes pétrolières, les gens ne travaillent pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays, par exemple, des pays qui ne produisent pas. C'est la société de cueillette. Voilà, vous avez par exemple, comme le Rwanda, des pays près de plus de 7 millions d'habitants qui n'ont pas de débouchés sur la mer, mais qui vivent avec une économie basée sur les services. Ça veut donc dire quoi? Que si aujourd'hui les prix du baril baissent, ça veut dire que le gouvernement fera d'imagination, notamment pour la mobilisation des recettes fiscales. Et je reste convaincu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un pays comme la Norvège, producteur de pétrole également. Mais la Norvège n'intègre pas le pétrole, la vente du pétrole dans son budget. La Norvège, qu'est-ce que les Norvégiens font? Ils placent cet argent, ils investissent cet argent et c'est le produit de ces capitalisations qui intègrent le budget. Voilà. Aujourd'hui, tant que le prix du pétrole sera à la hausse aujourd'hui. On va vivre dans un laisser-aller de manière générale. Le gouvernement a parlé de diversification de l'économie depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Mais lorsque l'on regarde le classement du Congo sur le doing business, mais le Congo est toujours resté. On a engrangé quelques points. Sur le rapport 2015, nous sommes à 170, au 178e rang. Mais sur 185. Sur 185. C'est encore très faible aujourd'hui. Ça veut donc dire quoi? Malgré les ressources. Nous avons un spécialiste. Voilà. Ça veut dire que malgré les ressources financières engrangées par l'État, rien n'a été fait pour diversifier l'économie au concret. Pour améliorer l'environnement économique. Et puis pour améliorer le secteur privé. Autre chose également. Moi, je crois que le gouvernement, je crois peut-être on va évoquer, il faudrait que le gouvernement anticipe. J'ai parlé des années 97, 98, 99, où le prix du baril était à 11 dollars. Il y avait une tension au pays. Nous sortions de la guerre, il fallait mener un programme de reconstruction aujourd'hui. Mais on n'a pas tiré le leçon. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'aujourd'hui, parce que à la fin, les populations ne comprendraient pas. Et les populations ne vont pas accepter que les pouvoirs, que les politiques nous amènent le discours selon lequel
que le prix du pétrole a baissé pour justifier l'abandon d'un certain nombre de projets. Tout à l'heure, M. Bokiba parlait de quelque chose de formidable que le gouvernement a fait. Peut-être que M. Kadia l'ignore. Lorsque le prix du baril était à la hausse, 100 dollars, 110 dollars, mais le gouvernement de la République au Congo a toujours subventionné le prix à la pompe pour stabiliser les prix. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le nier au gouvernement, M. Kadia. Maintenant, tout à l'heure, non, j'arrive, parce que tout à l'heure, vous avez parlé que les recettes pétrolières ne rentraient pas dans les ménages. Comment je dis, c'est faux, parce que le budget. Je vais rectifier, on va faire un débat sur le prix à la pompe. Parce qu'il était député pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous étiez député. Oui. Pendant 10 ans, vous avez voté le budget. Oui. Pendant 10 ans, vous êtes censé savoir que le budget du Congo est constitué à 80% des recettes pétrolières. Donc, vous ne pouvez pas dire sur ce plateau le fonctionnaire lambda ou la ménagère ne bénéficie pas de quelque manière de ces retombées pétrolières. Même si a dit qu'il faut introduire des valeurs et l'intelligence dans la gestion de la chose publique. L'argent du pétrole nous permettra de faire plus que ça. Mais nous on va parler de l'assemblée pendant 10 ans. Ce que vous avez dit était pertinent. C'est sûr que les députés. On est revenu à la case de départ. Vos électeurs vous ont encore gardé. On est revenu à la case de départ. Mais là n'est pas la preuve est faite. Hein? Mon cher. La preuve est faite, elle est là. Non, s'il vous plaît. Mon cher Alphonse, je dirais à qui profiterait cette chute-là. Mais il y a quelqu'un qui vient de dire oui, on a bénéficié pendant des années d'excédents. Alors, d'excédents budgétaires tout au long de ces années. Et aujourd'hui, on peut penser, récupérer ce qui est placé dans ce compte de stabilisation pour pouvoir éviter qu'il y ait des conséquences néfastes sur le quotidien. Est-ce que d'abord, vous, depuis novembre, où on a constaté vraiment la baisse, à aujourd'hui, avez-vous ressenti qu'il y a vraiment un changement à cause de la baisse du prix du pétrole? Allô? Oui, allô, vous êtes à l'antenne. Je suis sur l'antenne? Oui, vous êtes à l'antenne, parlez, on vous écoute. Je ne suis pas économiste, mais je suis un homme de rue. Mais finalement, où va le prix? L'argent qu'on a économisé là est allé où? Finalement, que fait le gouvernement? Vraiment, le Congolais mange mal. Mais comment nous pouvons bâtir ce pays-là seulement sur le pétrole? Il y a tellement trop de programmes. Et vraiment, je prends part à cela, à ce débat, c'est tout simplement parce que je suis congolais, mais je me dis que nous ne sommes pas un pays pétrolier, parce que nous vivons très mal. Merci, je vous remercie beaucoup. Bon, je ne sais pas, un pays pétrolier vivrait comment? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut... Faut qu'ils vivent. Mon cher Alphonse Dongo. Et puis après, je vais aller à la régie pour écouter d'autres Congolais qui ont parlé pendant une dizaine de minutes. Et après, on reviendra sur ce plateau. Votre réaction. Si on a connu des excédents budgétaires au cours des années, et que ces excédents, on peut aussi les prendre pour... mais faut-il encore que nous puissions ressentir cette chute-là dans notre quotidien, et que les pouvoirs publics ressentent qu'il y a des réajustements à faire, à opérer. Oui. Je ne sais pas si c'est vous. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne.
Monsieur Tony. Oui, bonsoir, monsieur. Essayez de vous éloigner de votre poste de télévision, s'il vous plaît. Je fais toujours porter de part de l'émission. Je crois que M. Kadhi ne peut pas se prétendre être un bon gestionnaire. Puisque déjà, les 5 ans que le professeur était là, je crois qu'en OPS, chaque 3 mois. Bon, et aujourd'hui, je ne sais pas en dehors de la route que le professeur avait fait de Filou à Mouroumi. Mais je crois qu'il était là avec ses intelligences. Il pouvait quand même demander aux autres qu'il fallait revoir les problèmes sociaux des Congolais. Parce que quand je le vois toujours mis comme à l'Assemblée ou pendant votre émission, j'ai l'impression que le monsieur la pense que les Congolais étaient des aveugles ou des sourds-muets. Est-ce que réellement, lui, il est là pour porter les problèmes des Congolais ou encore il y a un repositionnement qu'il veut faire? La route, pardon, mais il y a toujours des choses qu'on peut quand même voir et faire un peu le tour de tout le pays. Mais ces choses ne sont pas venues inopinément comme ça, où on gère l'économie à la fois. Mais je crois que la route, c'est les problèmes de l'économie. Mais quand je ne comprends pas les Congolais, en fait. Personne, quand il arrive, les gens, quand ils arrivent, ils ne... Il y a un problème de crédit. Mon cher Alphonse, vous allez quand même finir par parler et puis après, ouais, nous irons à la régie pour d'accord. que nos compatriotes aussi s'expriment. C'est bien, c'est assez passionnant. Voilà, l'émission ouverte. Je croyais que quand on parle d'économie, c'est ennuyeux, mais apparemment, non. Allez-y. Oui, il faut reconnaître une chose, c'est que, bon, je ne suis pas du gouvernement, mais il faut reconnaître une chose, c'est que le Congo a fait d'énormes efforts. D'ailleurs, sous l'impulsion des institutions de Bretton Woods qui leur ont demandé de rendre un peu transparent plus ou moins la gestion des ressources pétrolières. C'est déjà une bonne chose. Les consommateurs congolais ne se rendent peut-être pas compte, hein, contrairement à des pays comme la RDC ou bien le Cameroun et d'autres qui ont subi des pressions, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods pour leur demander de jouer avec, n'est-ce pas, l'effet des prix sur le marché international et de voir au niveau de la pompe si ça décroche ou bien si ça va vers le haut. Donc le Congo ne subit pas cela parce que je pense que le gouvernement subventionne, pas que je pense, le gouvernement subventionne à hauteur, je crois, de 11 milliards. Sauf que j'ai lu ce communiqué du ministère des Finances, je ne savais pas, ils ne m'ont pas dit si c'est 11 milliards mensuellement ou trimestriellement ou semestriellement ou bien alors annuellement. Ça, je ne sais pas. Ils ont mis 11 milliards. Bon, je n'ai pas eu l'exactitude de la période. Mais c'est déjà quelque chose, c'est une avancée. Et cela a permis de contenir, n'est-ce pas, l'inflation. Parce que si le prix augmente, le prix du litre du carburant augmente à la pompe, et naturellement, on va assister à une inflation que ne pourront pas supporter les couches les plus défavorisées. Ça, c'est déjà une avancée. Et puis, il faut reconnaître que le Congo, contrairement aux années antérieures, c'est-à-dire dans les années 80-70, a pu quand même faire bon usage, je dis entre guillemets, des ressources financières qui proviennent de la vente de son brut sur le marché international. Ça se voit des investissements qui sont là maintenant. Quant à la qualité de ces investissements, ce n'est pas l'objet de notre émission de ce soir. Donc, quelque chose se fait. Maintenant, est-ce que nous, les consommateurs, nous le ressentons? Je dis pour l'instant, nous ne le ressentons pas encore parce que ça ne s'inscrit pas encore sur la durée. Pour l'instant, nous ne ressentons pas, on nous parle d'une épargne budgétaire qui est là. La seule chose, comme je l'ai dit dans le jeu... Monsieur l'a dit, si on va voir dans le code de stabilisation, il ne s'amène pas. Bon, moi je ne peux pas le dire, la seule chose... C'est lui qui a dit. Hein, en tant que journaliste, je ne peux pas dire oui ou non. La seule chose que je peux reprocher au gouvernement, c'est de ne pas communiquer assez. C'est de ne pas être transparent, nous dire,
nous avons X somme, on a dégagé une épargne budgétaire, un excédent budgétaire à telle période, voici ce que ça a produit. Nous avons logé cet argent, n'est-ce pas, à la Banque centrale, et nous avons dégagé 50 milliards pour peut-être... Les membres de la commission économique du Parlement... Bon, le Parlement, à ce que je sache, dans pareille circonstance, n'a pas été associé pour qu'on sache qu'on a donné, on a prêté 50 milliards à la Côte d'Ivoire ou au Niger ou à la Guinée-Conakry. Donc, quels sont les intérêts que cela va produire, c'est-à-dire l'amortissement de cette dette sur telle période va rapporter telle somme d'argent, n'est-ce pas, au Trésor public? C'est autant de choses. On peut aussi donner aussi généreusement, sans que ça soit. Bon, si ça a été fait dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amitié fraternelle entre frères. Bon, c'est une autre paire de manches, mais à ce que je sache, dans le communiqué du gouvernement, il a été clairement dit que c'était pour pouvoir. C'était un prêt. Donc, voilà. Et on voudrait que le gouvernement communique davantage sur ces questions très essentielles. Parce que si le gouvernement ne communique pas aisément, je vous le dis, si on assiste à une décote encore du prix du baril sur le marché international et que cela se répercute sur même le budget de l'État qui est établi, vous le savez, d'entrée de jeu à 95 dollars le baril. Mm. Mais là, on est aujourd'hui pratiquement à moins de 50. Mm. Donc, et si ça dégringole davantage, j'ai fort l'impression que le gouvernement aura toutes les peines du monde pour faire comprendre aux gens qu'on ne peut plus construire tel stade ou bien tel hôpital à tel endroit parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est pourquoi je dis, il faut toujours que le gouvernement soit assez transparent sur ces questions parce que lorsqu'il s'agit d'argent, avec les nouveaux mécanismes aujourd'hui sur le marché international, il faut prôner la transparence pour que, évidemment, ce débat ne devienne pas un débat de la rue. J'ai entendu quelqu'un, un auditeur, dire tout à l'heure, un téléspectateur, dire que lui, il est un homme de la rue. Mais c'est très dangereux si les gens de la rue se saisissent de ces débats. Mmh. Et lorsque le gouvernement ne communique pas bien, c'est très dangereux, surtout qu'on est dans une période assez cruciale. Il faut les éclairer. Rémi, rapidement, parce que je vais à la régie. Très rapidement. C'est pour dire qu'autant je souscris à la nécessité de renforcer un petit peu la communication sur le volet économique du gouvernement, parce qu'il y a un déficit énorme en matière de communication gouvernementale. Vous posez seulement au niveau économique ou bien sur l'ensemble? Pour l'instant, c'est l'économie qui nous intéresse. Ah, d'accord. Mais quand même, à décharge du gouvernement, il faut quand même reconnaître que depuis quelques années, il y a des lois de règlement qui sont votées au niveau du Parlement. C'est-à-dire que les élus du peuple, les députés, les sénateurs sont régulièrement informés de l'exécution des budgets. Maintenant, est-ce que toutes les informations leur sont communiquées ou pas? Est-ce que les informations à leur disposition sont répercutées au niveau des médias ou au niveau de leur mandant? Cela aussi est une préoccupation, mais c'est vrai que de manière générale, il y a un problème de déficit de communication au niveau du gouvernement. Mmh. Alors j'aimerais aussi revenir sur le débat lui-même, parce qu'effectivement il s'agit ici d'un débat important qui touche à la vie des Congolais. Vous insistez, M. Sonny, sur les répercussions de cette chute du cours du baril sur la vie au quotidien des Congolais. Cela va se ressentir, nous ensemble, qu'au deuxième mois d'exécution budgétaire 2015. Et lorsque vous entendez des ministres déjà dans leurs propos les semaines passées, chacun indique déjà qu'il y a des coupes sombres qui ont été opérées au niveau de leur budget de fonctionnement, au niveau de leur budget d'investissement, et qu'aujourd'hui, nous entrons dans un budget d'austérité. Ça veut dire que déjà, dans les mois à venir, les répercussions sur la vie au quotidien congolais vont se ressentir. Merci. Je voudrais seulement indiquer des mots parce que je vais faire lecture pour que vous sachiez qu'il s'agit de la présentation du projet de loi de finances rectificative faite par le ministre Fondongo le 27 juillet 2014. On avait déjà commencé à opérer les coupes sombres. Oui. Mais là, nous n'étions pas rentrés encore en session de récession. Et quand on va vraiment, en lisant ce qu'il avait dit et l'adoption qui en a été faite, et au regard de la réalité d'aujourd'hui, et si on reste encore 2 mois, 3 mois avec cette tendance baissière, je ne crains que ça soit, comme vous venez de le dire, que certains ministres se plaignent déjà, mais déjà, il y a des coupes sommes qui ont été opérées dans le budget de certains ministères, mais il faut qu'on fasse lecture de ce qu'il a dit. Mais pour l'instant, permettez-moi d'aller voir nos compatriotes que nous avons rencontrés intelligemment dans la rue, un micro-trottoir qui a été fait par Adjidja Moussa, et je ne sais pas si bien nommé qu'on est ou bien
Non, je trouverai le nom du caméraman tout à l'heure et nous revenons sur ce plateau pour la deuxième partie. À la régie, si vous êtes prêts, le micro-trottoir et après, question de souffler un peu sur le plateau. Êtes-vous au courant de la chute du baril de pétrole qui est passé en dessous de la barre de 50 dollars? Tout à fait, oui. Ça rend tous les Congolais perplexes. Perplexes et même inquiets. Dès lors que la source principale des revenus du Congo est constituée par la vente du pétrole. On est interrogatif aussi quant à la continuation et même l'achèvement des travaux qui ont été engagés par le gouvernement. Inquiet aussi quant au traitement qui pourrait être réservé disons aux travailleurs, quant à la capacité du gouvernement à résoudre les grands problèmes qui se posent à la société congolaise en termes de santé, en termes d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on observe que dans certains quartiers de Brazzaville, il y a des îlots, je dirais, de pauvreté et des îlots de richesse. Certaines maisons, certains quartiers sont éclairés, d'autres ne le sont pas. Ça passe dans les médias, donc on est tous au courant de cette baisse avec les secousses de guerre par-ci par-là, des islamistes et tout consort. C'est eux qui régorgent un peu cette politique de la gestion pétrolière. Et évidemment, il doit avoir une incidence dans les pays là où on produit du pétrole. C'est une difficulté pour nous, parce que vous voyez... On est là, on est en train de s'interroger sur le problème de l'essence. Depuis hier, nous traînons là. Moi, je suis en train de chercher l'essence depuis hier, je n'en trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Est-ce que c'est le fait que le baril ait chuté que nous nous trouvons dans cette situation? C'est une grande question, on ne sait pas. Quand le baril augmente, on n'en parle jamais. Mais dès qu'il y a baisse au-dessus de 50, on est en train de passer sur tous les toits. Donc... c'est la réalité, c'est la réalité. Donc, il faut lier il faut donc vivre en fonction de ça, de cela. Surtout, nous dépend notre économie dépend beaucoup du pétrole. Il faut dire que cette chute ne nous surprend pas. Ne nous surprend pas parce que évidemment, on sait que c'est des richesses périssables. Et donc, plus il y a de l'exploitation du pétrole, il faut s'attendre à ce que les productions chutent. Et quand les productions chutent, évidemment, le produit devrait prendre beaucoup plus, devrait devenir beaucoup plus cher sur le terrain, sur le marché. Et donc, du coup, franchement, moi, ça ne me surprend pas. Il va falloir maintenant prendre des dispositions de sorte que nous puissions varier notre économie et avoir beaucoup plus de richesses à valoriser. Si le budget se base seulement sur le pétrole, c'est ça notre inquiétude en tant que citoyen. La chute est due au progrès peut-être de la société. Hein? Sur le plan international, on peut consommer ça. Bon, mais outre le pétrole, nous avons beaucoup de ressources naturelles, bien sûr. Nous avons le bois, l'or, les mines, il y en a beaucoup. Donc, il ne faut pas seulement compter sur le pétrole. Donc, on peut aussi avoir des revenus en ce qui concerne ces matières-là. Savez-vous que l'économie congolaise est fortement dépendante des ressources pétrolières? Ben oui, tout à fait, surtout au Congo, oui. Ben, c'est parce que nous voulons focaliser toute notre énergie sur les ressources pétrolières. Mais sinon, le Congo a d'autres ressources où nous pouvons orienter finalement notre économie. Ben, j'avais toujours aimé ce que prenait le président de la République qui disait agriculture, priorité de priorité.
Mais si on pouvait vraiment focaliser, nous, on nous a appris à l'école et en économie qu'aucun pays ne peut se développer sans passer par l'agriculture. Bon, mais aujourd'hui, c'est devenu seulement un simple slogan. Où, bon, on veut faire de la priorité l'agriculture, on va mécaniser l'agriculture, mais malheureusement, sur le terrain, nous ne constatons pas cela. Bon, peut-être qu'on tire bien profit sur le pétrole, mais moi je pense que il y a d'autres produits, le bois, la pisciculture, l'élevage, vraiment, ça c'est vraiment porteur de beaucoup de fonds que nous pouvons écarter même le pétrole. Il y a d'autres pays comme le Burkina Faso, ils n'ont pas le pétrole, mais c'est quand même un pays qui est en train de croître. Quand nous voyons un peu la Côte d'Ivoire ne se focalise pas sur le pétrole, c'est sur l'agriculture, mais ce n'est pas à comparer la Côte d'Ivoire au Congo. Voilà, même s'ils ont connu la guerre, mais repartons aujourd'hui, vous allez revoir que la Côte d'Ivoire a grandement changé. Mais leur économie, ce n'est pas basé sur le pétrole, c'est sur l'agriculture. Nous aussi, au Congo, nous avons une terre fertile. Si nous pouvons focaliser nos énergies sur l'agriculture, vous allez voir en un clair d'œil, le Congo va changer. Exactement, exactement. Bien qu'on fasse un autre fort pour le bois, mais c'est toujours le pétrole. Hein. Tous les investissements se font par rapport au pétrole. Absolument, oui, absolument. Mais nous avons le bois, non? Le bois, c'est une richesse. Et lorsqu'on suit un peu les médias, on se dit que on n'est pas toujours, il ne faut pas toujours compter sur le pétrole. C'est-à-dire qu'il faut compter sur d'autres ressources qui peuvent faire que le Congo évolue. Ouais. Pensez-vous que cette chute du baril de pétrole peut avoir des incidences sur l'activité économique du pays? Ben oui, si nous restons toujours dans cette vision pour dire que la grande partie de notre économie va se focaliser sur les ressources pétrolières. Si nous restons là, mais si nous pensons vraiment que nous pouvons nous orienter vers d'autres ressources, je ne pense pas qu'il y aura d'incidence. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce sont des biens naturels. À un moment donné, ça va disparaître. Et ça, il ne faut pas qu'on se vante. Mais la peur pétrole, ce serait quoi? Donc finalement, quand il n'y aura plus de puits de pétrole, ben, ce serait la crise économique nationale. Je ne sais pas comment il faut le dire. Oh, pas tellement. Pas tellement. J'explique parce que d'autres secteurs évoluent bien. Par exemple, le transport. Bien que le pétrole, le prix a augmenté parce qu'il y a l'abondance, mais le secteur transport, ça marche. Tout à fait. C'est possible, parce que s'il n'y a pas de carburant dans la ville, je crois que l'activité économique baisse aussi. Mais je crois que ça va de soi, hein. Je crois que c'est possible, tout à fait possible. Je vous en prie, maman. Bien sûr, bon, mais comme le gouvernement nous a rassuré que malgré cette baisse-là, le gouvernement prendra ses responsabilités. Donc ils savent que pendant que le baril était à la hausse, ils étaient en train d'économiser pour afin qu'en cas d'eux, qu'ils puissent assumer. Je crois qu'ils ont dit ça en toute responsabilité. En dehors du pétrole, bon, nous n'avons pas vraiment suffisamment de richesses à faire valoir. Il y en a, mais ce n'est pas exploité suffisamment. Et du coup, notre budget, le budget de l'État, est beaucoup plus fiscal. Et donc, il faut s'arranger à ce que, en dehors du pétrole qui vient en appui du budget fiscal que nous avons, il va falloir donc diversifier notre économie de sorte que nous puissions amoindrir.